Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous aider à mieux gérer votre stress, à mieux gérer la situation de crise que nous vivons en ce moment et pour cela je vais partager avec vous 5 conseils qui me semblent importants. Je suis Nathalie Porte et pour partager avec vous ces conseils, je vais m'appuyer sur mon expérience de psychologue et aussi mon expérience de coach pour faciliter la gestion du stress quand on doit parler. Dans cette présentation aujourd'hui, je vais vraiment me centrer sur la situation particulière de crise que nous vivons avec l'épidémie de COVID-19. Donc, je vais essayer d'adapter mes conseils à cette situation particulière et vous proposer des conseils qui sont possibles de mettre en place dans une situation particulière comme celle que nous vivons. Donc, on est effectivement dans une situation de crise. Le climat est très anxiogène. Nous sommes dans un climat en fait international qui crée beaucoup de stress, d'anxiété et d'angoisse. Évidemment, les médias et les réseaux sociaux relaient les informations plutôt inquiétantes. Donc, on vit tous dans un climat anxiogène. On a des peurs, on ressent des peurs pour notre santé, notre propre santé, la santé de nos proches et de manière générale pour l'avenir. C'est un nouveau virus, on ne le connaît pas, on ne sait pas exactement comment on va pouvoir le vaincre. Et on a aussi des inquiétudes pour les conséquences dans l'avenir de tous nos changements en fait professionnels et nos changements sociétaux en fait. Donc tout ça crée beaucoup de peur. On a aussi vraiment beaucoup de changements importants dans notre vie quotidienne, alors que ce soit pour le travail, hein, donc de nombreuses personnes ne travaillent plus ou doivent travailler à distance. Il y a des changements importants pour les enfants qui ne vont plus à l'école, donc l'éducation à la maison. On a évidemment des grandes limitations ou des impossibilités de déplacement. Donc toute notre vie quotidienne est bouleversée. Donc, vu la situation, c'est évident que ça génère du stress. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est normal. Nous vivons tous un stress plus important que d'habitude. Donc ça, c'est ne pensez pas que vous êtes faible ou fragile. Nous vivons tous du stress beaucoup plus important que d'habitude. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas parce que le stress est normal qu'on ne fait rien avec son stress. Il est quand même très important de le gérer. C'est nécessaire en fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette situation exceptionnelle va durer assez longtemps, des semaines, peut-être quelques mois. Et donc, on ne peut pas simplement dire on attend que ça passe. Non, je pense qu'il faut vraiment gérer son stress. Ensuite, on sait que le stress a des conséquences négatives quand il est intense et quand il est durable. Donc, un stress ponctuel est adapté. Un stress qui est durable et intense n'est pas adapté, n'est plus adapté et a des conséquences négatives. Donc, on sait que ça a des conséquences sur notre santé physique. Hein, le stress n'est pas très bon pour notre santé physique. Il y a des conséquences sur nos défenses immunitaires, sur l'équilibre de notre corps pour gérer nos différentes maladies ou en tout cas nos différents problèmes de santé. Ça a des conséquences évidemment sur notre santé psychique. Certaines personnes se retrouvent très déséquilibrées et peuvent ce qu'on appelle décompenser, c'est-à-dire développer une pathologie. Donc, il est important de trouver un équilibre pour ne pas se trouver dans une situation d'un déséquilibre complet de notre santé. Ce n'est pas le moment, en fait. Ça a aussi des conséquences sur nos proches, hein. Je pense en particulier aux enfants qui ne parlent peut-être pas beaucoup, n'ont pas l'air spécialement inquiets, mais en fait le sont. Hein, on dit que les enfants sont des éponges, ils perçoivent très très bien l'anxiété, le stress de leur entourage, et en particulier des personnes les plus importantes pour eux, qui sont leurs parents. Donc gérer votre stress, c'est aussi aider vos enfants. Les enfants se culpabilisent en ce moment, souvent, même s'ils ne le disent pas, hein, parce qu'on dit qu'ils contaminent beaucoup, les écoles ont été fermées parce qu'ils contaminent, et donc ils peuvent se sentir coupables de la situation. Donc on a vraiment intérêt à gérer notre propre stress pour mieux communiquer aussi avec nos enfants. Ça a aussi des conséquences sur les personnes les plus vulnérables autour de nous. Si on est très stressé, on n'est pas très attentif aux personnes autour de nous. Il y a peut-être autour de vous des personnes âgées ou une personne qui est plus fragile encore que vous et qui peut être très déstabilisée de vous voir anxieux ou anxieuse.
Enfin, le stress a des conséquences sur votre adaptation à la situation, donc que ce soit votre adaptation professionnelle, votre adaptation dans votre vie familiale et votre vie sociale. Vous avez vraiment intérêt à gérer votre stress pour que cet épisode difficile n'ait pas trop de conséquences à long terme, que ce soit juste une parenthèse. Ceci étant dit, voilà, je commence avec les 5 conseils. Donc, ce sont des conseils que je vous propose d'adapter à votre réalité. Je ne connais pas la réalité exacte de chacun d'entre vous. Donc, vous allez adapter ce que je vous dis à votre réalité. Ce sont des conseils qui sont possibles de suivre pour toute situation exceptionnelle, une situation où vous êtes en grand déséquilibre et vous sentez que le stress vous envahit. Premier conseil, filtrer les informations reçues. Ça, c'est un conseil particulièrement important en période d'épidémie. Donc, la première chose, c'est qu'évidemment qu'on a besoin d'avoir des informations pour savoir comment s'adapter, suivre les règles, les lois de votre pays, par exemple, ce qu'il est possible de faire ou pas. Ça, vous devez évidemment être informé. Je vous conseille de vous informer uniquement 2 fois par jour. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'écouter les informations en continu, c'est très très anxiogène. Suivre l'évolution des malades et des morts, c'est vraiment très anxiogène. Donc préservez-vous, écoutez les informations nécessaires pour vous 2 fois par jour seulement, pas dès que vous vous réveillez, hein. C'est important, on en parlera plus tard, mais que votre réveil se fasse en douceur. Et pas non plus juste avant de dormir, mais 2 moments dans la matinée, un moment dans l'après-midi ou fin de journée pour vous informer. Et ensuite, informez-vous à partir de sources fiables, officielles. Donc il y a beaucoup de choses qui circulent, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Vraiment aller vers des sources fiables. N'écoutez pas tout ce qu'on dit, ne lisez pas tout ce qui sort. Ça crée vraiment du stress. Il faut que vous ayez dans la journée des moments où vous êtes loin, loin, loin des informations liées à l'épidémie. Je vous conseille aussi de parler à des personnes réconfortantes pour vous, c'est-à-dire des personnes qui vous font du bien, des personnes positives pour vous, qui en général, quand vous leur parlez avec ces personnes-là, vous vous sentez mieux après. Des personnes drôles, si vous avez la chance d'en avoir autour de vous, il y a toujours des gens qui ont plus le sens de l'humour et qui sont capables de plus facilement trouver du positif de la situation. Donc, parlez à ces personnes-là. Ayez d'autres sujets de conversation que l'épidémie et les bouleversements que cela engendre. La vie continue, il y a d'autres choses dont on peut discuter. Continuez de faire le maximum ce qui vous intéressait avant. Donc, parlez avec vos amis de vos sujets de conversation habituels. Recherchez aussi des informations positives, qu'elles soient liées ou pas à la situation actuelle. Il y a des gens qui ont des initiatives agréables, positives. Je pense par exemple ici où je vis en Italie, le fait de chanter au balcon, de mettre de la musique dans le quartier. Il y a des choses comme ça, regardez des vidéos qui vous montrent ce genre d'initiative. Et puis sinon, en dehors de la situation actuelle, il y a vraiment beaucoup d'informations positives qui existent aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, allez les chercher de manière active en ce moment, on en a vraiment besoin. Par rapport à ce conseil sur filtrer les informations reçues, une chose importante que j'aimerais que vous reteniez, c'est que nos pensées créent notre réalité. Donc en fait, vous pouvez choisir à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous mettez dans votre tête tous les jours en ce moment. C'est votre nouvelle réalité en fait. Donc si vous ne pensez qu'au virus, votre réalité c'est le virus. Mais si vous pensez aussi à des choses positives de votre réalité, de votre monde à vous, de votre environnement, eh ben, vous allez être beaucoup plus serein, sereine. Deuxième conseil, structurez votre journée. Donc là, effectivement, on a tous eu en fait un bouleversement de nos habitudes de vie quotidienne. Vous avez peut-être donc dû passer au télétravail ou arrêter de travailler. Les enfants sont à la maison, etc. Donc toute la journée habituelle est transformée. Donc c'est important de recréer un équilibre entre les différents temps de votre journée. Donc retrouvez un équilibre en structurant des temps dans la journée.
Donc le travail, donc si vous travaillez à la maison par exemple, eh bien évidemment que c'est un temps important, mais ne le faites-le sans pression. On est dans une période très particulière, les exigences sont pas les mêmes, les contraintes sont pas les mêmes, les objectifs non plus. Donc vraiment baisser la pression. Ensuite, par rapport aux obligations de la vie quotidienne, évidemment qu'il faut qu'il y ait un temps pour tout ça, hein, que ce soit l'hygiène, les repas, l'éducation des enfants, etc. Donc toutes les obligations ont un temps dans la journée. Ne négligez pas certaines choses en vous disant ah, je sors plus travailler, donc je m'en fous. Non, tout est important et je vous donnerai des conseils plus tard sur la santé globale par rapport à la vie quotidienne. Un temps aussi pour tout ce qui est découverte et apprentissage. C'est toujours intéressant d'avoir des moments où on est dans le fait d'apprendre de nouvelles choses ou de continuer l'apprentissage que vous avez commencé. Donc si vous apprenez une langue, clairement, ça peut être sympa en fait de bien conserver vos habitudes, même si vous n'allez plus dans une école de langue, mais vous apprenez en ligne ou vous travaillez seul. Gardez votre apprentissage. Si vous étiez en cours de formation, même si vraiment votre formation a été transformée dans ses modalités, continuez quand même à la suivre d'une autre manière. Découvrez aussi des choses nouvelles peut-être, une nouvelle activité, quelque chose que vous vouliez faire. Je ne sais pas, ça fait des mois que vous vouliez commencer à dessiner. Bah, ça y est, maintenant vous avez le temps pendant quelques semaines, donc commencez. C'est une très bonne occasion. Ensuite, dans la journée, il faut conserver des moments où vous avez des rituels de bien-être et de plaisir. Là, je pense à ce qui vous fait du bien au niveau du corps et de l'esprit. Donc, ça peut être des choses de détente au niveau de votre corps, prendre un bain, un massage, vous-même ou votre conjoint, par exemple. Ça peut être prendre soin de ses cheveux, de son corps, de sa peau. Des choses qui peuvent paraître parfois un peu futiles. Superficielles mais qui en fait sont importantes. Pour votre esprit, vraiment, si vous aimez lire, lisez, si vous aimez l'humour, écoutez des humoristes, faites-vous plaisir à la fois au corps et à l'esprit. Donc conservez ces temps chaque jour. Ensuite, des temps de socialisation. Alors bien sûr, on ne peut plus être en contact les uns ou les autres physiquement. Mais la socialisation continue quand même. On a heureusement le téléphone, on a Internet, de nombreux moyens de communiquer, des SMS, WhatsApp, etc. Gardez vos liens habituels. Vous voyez des amis avant, vous ne les voyez plus parce que c'est interdit. Ok, écrivez-vous, organisez des rendez-vous en ligne. Vous faisiez partie d'une association, les rendez-vous habituels sont supprimés. Bah, réfléchissez à comment vous pouvez maintenir à distance. De manière générale, conservez au maximum ce que vous aviez l'habitude de faire avant, même si vous changez les façons de le faire. Et puis ensuite, vous devez absolument avoir dans votre journée des moments de repos total. Alors évidemment, je pense au sommeil, la nuit, mais ça peut être aussi des siestes, repos total, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas la télévision, on est vraiment en train de se reposer, de dormir. On en a vraiment besoin et donc. Ces différents temps de votre journée doivent rester équilibrés en fait. Vous devez consacrer du temps à chacun de ces éléments chaque jour. En fait, le but est de retrouver des repères connus, hein, des éléments prévisibles dans votre journée, des habitudes. Ce que l'on veut là, c'est recréer un cadre sécurisant, hein. Ce qui se passe a beaucoup bouleversé notre sécurité habituelle et donc c'est très important de la recréer. Troisième conseil, prenez soin de votre santé globale. Donc, quand je parle de global, je pense à la fois du corps et de l'esprit. On va commencer par un élément essentiel qui est l'alimentation. On dit que l'alimentation est le premier médicament, hein. Donc, je vous conseille vraiment, particulièrement en ce moment, parce que vous êtes très stressé, de limiter les faux amis, hein. J'appelle les faux amis ce qu'on mange ou qu'on boit, où on a l'impression que ça nous fait du bien, mais en fait, après. Ça ne nous fait pas du bien du tout, au contraire. Donc les produits sucrés, bonbons, biscuits, chocolat avec beaucoup de gras, les chips, etc. On a tendance à manger ça quand on est stressé, à éviter vraiment, vraiment. C'est pas du tout, ça va pas du tout vous aider avec le stress, au contraire. L'alcool qui est parfois utilisé pour réduire l'anxiété,
en fait a un effet très négatif après. Donc ça ne vous aide pas du tout à gérer votre stress. Je vous conseille de manger peu mais sain. Pourquoi manger peu? Parce qu'en fait la digestion demande beaucoup de notre énergie et quand on est stressé, on digère moins bien. Donc en fait, il ne faut pas manger trop en trop grosse quantité. Donc manger peu, mais manger sain, manger un maximum de fruits et de légumes frais. Prenez du temps pour penser vraiment consciemment à votre alimentation aujourd'hui. Ne faites pas vite n'importe quoi. Ensuite, buvez des boissons apaisantes. Donc évitez les boissons excitantes, hein, le thé, le café à haute dose. Ne vous aidez pas à gérer votre stress en fait. Hein. Donc des boissons apaisantes, il y a beaucoup d'infusions en fait qui permettent de se détendre. Je ne vais pas vous faire toute une liste ici, ce n'est pas ma spécialité, mais pensez aux boissons apaisantes, boissons chaudes pour le stress. Le sommeil maintenant, un point très très important, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, on a vraiment besoin de se reposer quand on est stressé. C'est dans le sommeil en fait qu'on retrouve vraiment des ressources. Donc il ne faut absolument pas négliger le sommeil. Couchez-vous tôt, plus tôt que d'habitude. Essayez de vous coucher avant 22 heures. Pour bien dormir, c'est clair qu'il ne faut pas être trop préoccupé. Donc, vous allez créer une bulle de calme avant de vous coucher. Créer une bulle de calme, c'est d'être dans le silence et avec des exercices de respiration, par exemple. Je vous en parle un peu plus tard. Mais adoptez un rituel qui est une bulle de calme avant de dormir. Votre réveil doit se faire vraiment au maximum en douceur. Si vous n'êtes pas obligé de vous lever à une heure précise, pas de réveil. Ne mettez pas de réveil, laissez-vous vous réveiller spontanément. Si vous avez des enfants, vous avez déjà un réveil. Et sinon, réveillez-vous en douceur, ça veut dire que même votre corps, réveillez-le en douceur. Ne sautez pas du lit pour vite, vite, vite tout commencer très, très vite. Essayez d'aller vraiment doucement. Quand on est stressé, on a besoin de douceur. Et pensez à des siestes, hein. Une ou deux siestes dans la journée, surtout si vous n'avez pas très très bien dormi. Écoutez votre corps, hein. Si vous sentez que vous avez besoin de dormir, ne luttez pas. Fermez les yeux, allongez-vous, allez dans un endroit calme. Ne luttez pas contre l'envie de dormir dans la journée. L'activité physique, alors on sait maintenant, hein, qu'elle est très très utile pour gérer le stress, pour gérer le taux de cortisol dans notre corps. Et donc c'est très important d'avoir une activité physique chaque jour, minimum 30 minutes, minimum. Si vous pouvez faire une heure et demie, c'est très bien. Elle doit être adaptée à votre condition physique. Il n'est pas question de faire un sport intense alors que vous n'en avez pas l'habitude, hein. Donc on est dans des choses qui ne sont pas trop intenses. Mais si vous aviez l'habitude de faire du sport tous les jours, par exemple dans une salle que ne vous pouvez plus, essayez de transformer ça en l'équivalent à la maison. C'est important, dans la mesure du possible, de faire du sport à l'air libre. Alors, dans certains pays, on a des limitations de déplacement, mais réfléchissez peut-être comment vous pouvez, si vous avez une cour devant chez vous, le toit de votre immeuble, votre balcon. C'est vraiment important d'être à l'air libre, on en a besoin pour bien respirer et se régénérer. Mais sinon, à la maison, il y a aussi beaucoup de choses que vous pouvez faire. Beaucoup de personnes proposent des vidéos sur YouTube, par exemple, d'activités physiques que vous pouvez faire chez vous. Il y a beaucoup de choses à faire. Réfléchissez à ce qui est possible d'adapter pour vous. Mais c'est très important, chaque jour, vous devez absolument l'intégrer dans votre routine. Les bulles de calme, hein, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Alors, on va un petit peu en parler plus maintenant. L'idée, c'est d'avoir un espace dans la maison où vous êtes seul et que vous êtes dans le silence et un espace où vous n'allez pas être dérangé pendant, on va dire, 10 minutes, ça serait bien. Et le but est de faire une respiration consciente. Ici, l'idée est de respirer, si possible, de respirer avec une respiration profonde, ce qu'on appelle aussi une respiration ventrale. En quelques mots, vous inspirez en gonflant votre ventre, vous expirez en évacuant l'air de votre ventre, donc vous contractez le ventre pour évacuer l'air, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Il y a différents types d'exercices possibles. Un des exercices très simples à mettre en place, même si vous ne l'avez jamais fait, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque.
C'est une méthode de respiration sur 5 minutes qu'on vous conseille 3 fois par jour si vous avez vraiment, vous êtes en état de stress. 3 fois par jour, 5 minutes. Il y a des applications, je vous mettrai des liens. Il y a des applications gratuites, il y a des vidéos sur YouTube qui vous aident à le faire. Le principe, c'est 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire et je fais ça en rythme régulier pendant 5 minutes. Très très efficace pour le stress et pour beaucoup d'autres choses, c'est très bénéfique. La méditation aussi, hein, l'idée d'être la méditation de pleine conscience par exemple, où vous êtes complètement concentré sur ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, dans le moment présent. Si vous n'avez pas l'habitude de faire de la méditation, il y a aussi une application que je vais vous mettre en lien, très utile, très facile pour commencer. Pas besoin d'avoir fait des formations avant. Le yoga doux aussi, ou qu'on appelle aussi Hatha yoga, où la respiration est très centrale, les mouvements sont doux, c'est vraiment accessible, même si vous n'en avez jamais fait. Là aussi, on a des programmes accessibles en ligne. Je vais vous mettre des liens. Donc ça, c'est vraiment l'idée de se recentrer sur soi-même, son corps et sa respiration. Créer autour de soi et en soi du calme, c'est absolument essentiel, c'est très efficace. Faites-le. Je vous conseille vraiment 3 fois par jour, dont un moment avant de dormir le soir. Par rapport à votre santé, j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas que votre plus grande richesse, c'est votre santé. Et que vous avez de grands pouvoirs sur votre santé. On ne peut pas tout contrôler dans le monde, évidemment, mais par contre, on a un vrai pouvoir sur le maintien de notre santé. Donc, utilisez ce pouvoir-là. On n'est pas impuissant. On peut vraiment prendre soin de soi. Conseil numéro 4, exprimez-vous, soyez créative. C'est particulièrement important en situation de stress. Donc, faites-le selon vos habitudes et vos envies. L'idée, c'est de ne pas vous donner des objectifs irréalistes, mais faites en fonction de vos possibilités. Donc, écrivez. Vous pouvez écrire vos pensées comme dans un journal, prendre des notes sur cette période particulière. Vous pouvez écrire des histoires, hein, de la fiction, des petites histoires, des choses que vous avez dans votre tête. Si ce n'est pas l'écrit qui est vraiment votre domaine de compétence ou votre envie, vous pouvez chanter, danser. Le chant a vraiment une très très bonne vertu vraiment pour se détendre. Danser, hein, le fait de, c'est une activité physique franchement agréable. Jouer de la musique, donc tout ce que vous savez faire en musique et vous n'avez pas forcément le temps de le faire, instaurer un rituel chaque jour, hein, pour le faire. Créer avec vos mains aussi, bricolage, tout ce qui est modelage, même jardinage, etc. N'hésitez pas à le faire. Et puis j'ai envie de vous dire, partagez vos créations, parce qu'on a tous besoin de créations en ce moment, de créativité, de belles choses autour de nous. Donc si vous avez créé quelque chose, si vous jouez de la musique, jouez devant votre fenêtre. Si vous chantez, ben, pourquoi pas partager avec vos amis. Partagez avec votre entourage proche ou plus ce que vous avez créé. On en a tous besoin. J'ai envie de vous dire aussi ici, ce qui est important, c'est que vos pensées, vos émotions sont une source d'inspiration infinie pour créer. Même si vos pensées, vos émotions sont difficiles en ce moment, c'est quand même une source d'inspiration. Vous pouvez faire de cette période difficile quelque chose. Vous pouvez créer quelque chose. Conseil numéro 5, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Ne restez pas seul avec votre souffrance. Comment savoir si vous avez besoin de demander de l'aide? Donc pour moi, à partir du moment où pendant plusieurs jours, vous ressentez que votre sommeil est très perturbé, c'est-à-dire vous dormez très peu, très mal, vous êtes vraiment épuisé au réveil pendant plusieurs jours. Si vous avez des idées noires envahissantes, hein, ça veut dire que vous pensez vraiment à des choses horribles, hein, qui pourraient arriver et que ça vous envahit, que vous ne pouvez pas contrôler ça dans la journée. Si ça vous est impossible de réfléchir, de vous concentrer, si vos émotions sont débordantes, c'est-à-dire que vous sentez en vous l'envie de pleurer qui déborde ou alors des colères terribles. Et si vous sentez aussi que ça a des conséquences négatives sur vous, mais aussi sur vos proches, dans votre vie quotidienne, là, je pense qu'il est vraiment important de demander de l'aide. Ne restez pas comme ça.
Vous êtes dans une situation de stress qui aura trop de conséquences à long terme. Elle n'est pas seulement inconfortable, cette situation, elle est aussi très négative pour votre avenir. Donc en fait, demandez de l'aide. Quoi faire? Appelez votre médecin habituel, expliquez-lui la situation. Je pense qu'il a beaucoup de personnes dans votre situation, il connaît très bien cette problématique. Contactez un ou une psychologue, un ou une thérapeute. Si vous connaissez déjà avant, c'est l'idéal, si vous avez déjà des contacts. Si on peut vous recommander autour de vous quelqu'un, faites-le pour avoir au moins un conseil, un premier contact par téléphone ou par mail pour un conseil. Peut-être d'autres personnes ressources autour de vous, hein, peut-être dont vous faites partie d'associations, de communautés religieuses, de gens en fait qui sont pour vous des références, des gens en qui vous avez vraiment confiance, qui vous paraissent sages. N'hésitez pas à les contacter. Il y a aussi probablement dans votre pays des numéros d'aide ou d'écoute qui ont été mis en place. N'hésitez pas à appeler, appeler, ne serait-ce que pour dire que vous allez mal. Ça peut aussi beaucoup vous aider simplement de décharger ce qui vraiment est trop lourd. C'est plus intéressant pour vous et vos proches de le faire des gens qui sont là pour ça plutôt que de déverser votre mal-être sur les autres autour de vous. J'ai envie de vous dire surtout que demander de l'aide, c'est une force. Donc n'ayez pas honte, n'ayez pas honte de demander. Au contraire, vous allez vous aider vous-même et aussi aider vos proches en demandant de l'aide. Pour résumer, je vous reprends les cinq grands points, les cinq grands conseils. Filtrez les informations que vous recevez de la situation actuelle. Ajoutez du positif aux informations. Structurez votre journée, équilibrez votre journée avec des moments qui doivent être importants et présents chaque jour. Pas le chaos, pas le vide, pas le trop-plein, hein, une structure. Prenez soin de votre santé globale, ce que vous mangez, comment vous dormez, l'activité physique, etc. Exprimez-vous, soyez créatif, hein, tout ce que vous vivez là en ce moment peut être une vraie source d'inspiration pour créer. Et donc créer, c'est à la fois vous sentir mieux, mais aussi partager avec les autres. Demandez de l'aide si la situation ne peut pas s'équilibrer toute seule. Vous n'arrivez pas vous-même à trouver cet équilibre, malgré les conseils que vous avez déjà reçus. Demandez de l'aide d'un professionnel ou d'une personne ressource. Ne restez pas seul. Une citation de Chateaubriand, peut-être pour conclure, les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Donc peut-être qu'au moment où vous en êtes aujourd'hui, vous ne sentez pas ça en vous, vous sentez beaucoup de détresse, mais la vie, la pulsion de vie est puissante et donc il y a aussi de la vie qui va reprendre. Donc aidez-vous et aidez les autres pour recommencer, reprendre en fait la vie habituelle. Et une dernière pensée avant de vous quitter, dans toute crise, il y a un danger, mais aussi une opportunité. Le mot crise en chinois a à la fois danger et l'opportunité. Ne voyons pas seulement le danger, voyons aussi l'opportunité qui se présente. Et donc j'espère qu'en gérant votre stress, vous allez aussi pouvoir voir ce chemin vers une opportunité. Je vous souhaite de prendre vraiment bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt.